là-dessus. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Soyez béni. Sois béni, ma majesté. Soyez béni. Alléluia. Soyez béni ma soeur Lydie, soyez béni mon frère Manuel, sois béni Laetitia, sois béni maman Sylvie. Alléluia. Gloire à Dieu. Connais ton nom. On peut déjà commencer aussi à inviter aussi le frère. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui le fais. Gloire à Dieu. Voilà. Il est l'alpha et l'oméga. Gloire à Jésus. Alléluia. Partageons la vidéo. Connectons-nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Alpha. Alléluia. Connectons-nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, maman Bondo. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Connectons-nous. Soyez bénis. Sois béni, Mwambi. Un dimanche merveilleux, un dimanche de gloire, un dimanche de puissance. Que Dieu te bénisse, maman Vicky, et papa Jean-Marie, que Dieu te bénisse, ma fille Carole. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On partage la vidéo. J'espère que tout le monde s'est bien reposé et que la nuit était calme, remplie de grâce et de faveur de l'Éternel. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Alléluia. That's the lie of the devil. He's gonna make you shut your mouth. Don't shut your mouth. Don't shut your mouth. Don't shut your mouth. Gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Hallelujah. Il est le Dieu vivant. Je vous salue au nom de Jésus. Pendant ce temps, nous sommes en train de partager la vidéo en attendant quelques minutes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lui qui est le Dieu puissant. Oh, je vous salue, je vous salue. Gloire à Jésus. Merci d'être encore là nombreux. Gloire à Dieu. Connaissons-nous. Invite aussi les autres. Pendant ce temps, dans ce rythme, il est Yahweh. L'alpha et l'oméga. You are Yahweh. You are. Oh, il est Yahweh. De la machante à la bâte. You are Yahweh. Hallelujah. Il est Yahweh. You are Yahweh. Alpha. J'aime ce Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que tout le monde va bien, pas de mauvaises nouvelles. Que Dieu te bénisse, notre sœur Anna. Gloire à Jésus. De la machata la vaquer. Que Dieu vous bénisse. Connectons-nous encore quelques minutes. Tu peux aussi partager la vidéo. Comme nous sommes en train d'utiliser notre page, peut-être que les autres ne sont pas dans ou n'ont pas like la page, ils ne pourront pas se connecter. Alors tu peux seulement partager aussi, les inviter à pouvoir like la page, et comme ça serait beaucoup plus facile. Gloire à Dieu. Il est le Dieu puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, maman Christine, papa Toubajiki, que Dieu vous bénisse. Partagez aussi la vidéo. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes là avec maman Mireille. C'est elle qui est ma caméraman. Dans le confinement, on est en train de s'adapter à tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Somebody open up your mouth. De la machata la bake. Il est Yahweh. You are Yahweh. De la machata la bake. Voilà. Il nous reste encore quelques minutes là, après nous allons démarrer. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. De la machata la bâte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, ma sœur Lydie. Sois béni. Soyez béni, soyez béni. Hallelujah. Gloire à Dieu. Encore une ou deux minutes et nous allons commencer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Alléluia. Gloire à Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez doublement bénis. Alléluia. Dele moshatarabake. Je vous salue, soyez bénis. Bon dimanche à tout un chacun. Le Dieu qui est le Dieu puissant vous fasse réellement du bien. Vous fasse réellement du bien. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Lui qui nous a prêté encore ce souffle de vie. Lui qui nous a donné encore cette opportunité d'être compté parmi les vivants. À lui soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Alléluia. Il est notre Dieu. Alléluia. Voilà, nous allons prier. Nous allons prier. Éternel des armées, notre Papa, nous voici en ce dimanche devant de ta présence. Où nous sommes là, éternel mon Dieu, pour élever ton nom. Où nous sommes là, éternel mon Dieu, pour expérimenter encore ta fidélité. Nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ta puissance, nous célébrons ton nom. Que ce dimanche soit inoubliable, éternel. Bénis nos vies, éternel. Que ta grâce se manifeste. Saint-Esprit, marche avec nous. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Que la chair se taise et que l'Esprit parle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne encore cette opportunité de pouvoir partager sa parole. Je voudrais d'abord commencer par glorifier le Seigneur par rapport à notre service d'hier. Il y a des gens qui ont été touchés par la main de l'Éternel. Il y a des gens, quand on parlait par rapport à la gastrite, qui ont été guéris. Et nous avons reçu aussi un appel venant de Ouagadougou, d'un frère qui a été saisi par la puissance de Dieu pendant qu'on était en train de parler. Je crois aussi qu'il est en ligne, il nous avait promis d'être en ligne aussi ce matin. Nous bénissons encore le Seigneur. Pendant qu'on parlait de l'oreille, quelqu'un a été guéri et la puissance de Dieu est encore à l'œuvre ce matin. Et nous croyons fermement que Dieu va encore nous faire du bien. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons commencer aujourd'hui. C'est notre quatrième partie par rapport à cet enseignement sur la puissance et sang de Jésus. Alors, nous allons rapidement lire. Les textes se trouvent là. Donc, Genèse au chapitre 3, le verset 21. La Bible dit, « L'Éternel Dieu dit, fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Genèse 4, le verset 10e. « Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Hébreux chapitre 9. Ce sont les textes qui sont là. Hébreux chapitre 9. Merci Jésus. Hébreux chapitre 9, 12 à 14. Gloire à Jésus. Hébreux 9, 12 à 14. Et il est entré une fois, non pas deux fois, mais il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint qui était réservé seulement pour les souverains sacrificateurs. Mais il est entré par son corps, par son sang, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes
afin que vous serviez les dieux vivants. Hébreux 12, 24. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Elsie Notibé, que Dieu te bénisse. Alors, Hébreux chapitre 12, verset 24. La Bible dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et notre dernier verset, c'est le livre de Révélation ou Apocalypse, chapitre 12. Nous allons lire le verset 11e. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Gloire à Dieu. Je crois, bien-aimé, si tu as bien passé la nuit, est-ce que tu peux quand même faire un geste, envoyer un cœur ou like pour dire que tout va bien, il n'y a pas de souci, je peux commencer mon message. Est-ce que tu peux faire signe de vie pour montrer réellement que tout va bien chez toi? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux me faire un signe, là, un coucou, juste pour dire que tout va bien? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux me faire juste un coucou, un cœur, pour montrer réellement que tout va bien à la maison? Il n'y a pas d'inquiétude, je peux commencer. Gloire à Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Gloire à Dieu, parce que vous êtes tellement vivant. Que Dieu te bénisse, notre sœur Dada Nyanga, qui nous suit à partir de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu bénisse aussi votre mari ainsi que votre ministère à partir de Kinshasa. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Clarisse, sois bénie encore. Que Dieu te bénisse, Albert Loma, Noko, que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu bénisse Maman La Grâce, toute la famille en Belgique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous voulons bien aimer commencer ce service. Je crois que Dieu n'a pas changé. Je crois qu'il est le Dieu qui est puissant. Je crois qu'il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimés, la semaine aussi, c'est-à-dire nous avons démarré toute la semaine qui commence. À partir de dimanche jusqu'à dimanche, nous aurons une semaine de services puissants. De services puissants. Hier, j'ai parlé avec ma fille Lolo qui disait, « Dad, ici, on était à l'église, il y allait avoir autre chose. » Mais je crois que Dieu va seulement se saisir de cette opportunité même pour traverser vos maisons. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Il y a des gens aussi qui envoient des messages sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la sœur Hélène, que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu te bénisse. Vous savez, c'est toujours encourageant lorsque de partout les gens sont en train de suivre. Que Dieu vous bénisse. Alors, cette semaine, toute la semaine, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, nous aurons 7 jours. D'intenses prières, non, je n'ai pas dit jeûne, d'intenses prières et de la parole. Le matin à partir des 5h heure d'Angleterre, nous serons connectés en ligne. Nous allons mettre toutes les coordonnées sur notre page, comment accéder, c'est de France, Guadeloupe, Belgique, Allemagne, partout, Angleterre. Nous allons mettre les codes d'accès, comme ça nous allons commencer le matin à partir des 5h et le soir à partir des 18h. Alors que Dieu nous bénisse abondamment, nous allons encore reprendre cela. Alors, entrons dans notre message sur la puissance du sang de Jésus. Bien-aimés, nous avons parlé de cela. Nous avons introduit dans les livres de Genèse, nous voyons que Dieu, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu, en voulant les chasser, il a confectionné l'habit de peau qui est venu d'un animal que Dieu avait sacrifié suite à l'amour qu'il avait pour son peuple. Et je vais dire à quelqu'un, malgré tout ce qui se passe dans notre vie, Dieu est amour et Dieu t'aime. L'amour de Dieu est incomparable. L'amour de Dieu, personne ne peut calculer cela. C'est un amour qui est profond, c'est un amour qui est sans prix. Il n'y a personne qui peut manifester cet amour dans ta vie. Il n'y a personne qui peut manifester cela, car il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui est puissant. Béni soit ton nom.
Alléluia. Merci frère Patrick à partir de France. Que Dieu te bénisse, toi qui es aussi connecté. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu qui est incomparable, ma soeur, mon frère. Voilà qu'à Éden, Dieu a sacrifié un animal pour Adam et Ève, pour les revêtir. Et nous voyons aussi que Caïn, suite à la colère, il a sacrifié son frère, il a tué son frère. Mais Dieu l'avait prévenu avant toute chose pour lui dire, écoute, veille sur ton cœur, car le diable veut accomplir quelque chose. Il veut te pousser à commettre un crime, domine-le. Et je veux dire à tout un chacun, il y a toujours une opportunité que Dieu nous donne pour nous repentir. Il y a toujours une opportunité que Dieu nous donne pour changer notre manière de vivre, pour changer notre manière de nous conduire. Et ce dimanche, si tu me suis, voici, c'est un moment favorable pour toi. Change encore ta manière de vivre. Dis au Seigneur, je reviens encore auprès de toi. Dis au Seigneur, je rentre encore auprès de toi. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mon égarement. Pardonne tout ce que j'ai pu faire qui ne cadrait pas avec ta volonté. Bien-aimé, Dieu ne se lasse de pardonner. Il est le Dieu qui va encore pardonner. Gloire à Jésus. Et nous avons vu aussi dans les livres d'Exode, ça c'est dans les livres d'Exode, Dieu a pu opérer un grand miracle. Il a envoyé son serviteur Moïse pour venir libérer les enfants d'Israël. Mais Pharaon ne voulait pas lâcher. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire, Dieu peut te bénir, Dieu peut t'envoyer sur un chemin. Ne pense pas que toutes les difficultés que tu rencontres, ce n'est que le diable. Des fois, Dieu peut permettre l'endurcissement des cœurs des gens pour manifester sa gloire, pour tester aussi ta patience. S'il y a des choses qui ne marchent pas, sois patient. Dieu est en train de te préparer pour de grandes choses. Cela veut dire, ce que tu n'as pas reçu aujourd'hui, cela ne veut pas dire que tu ne le recevras jamais. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Si aujourd'hui tu n'as pas reçu, demain tu peux le recevoir. Et dans la vie, tu n'es pas en retard par rapport à quelqu'un. Ne fais pas ta vie, ne base pas ta vie par rapport à d'autres personnes. Ce que Dieu fait avec toi, ce qu'il n'a pas encore accompli, il le fera. Il le fera. Mais une chose qu'on doit retenir, notre Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut en son temps. On ne l'oblige pas. Il est le Dieu qui fait des choses. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que quand il a vu après 9 plaies, Pharaon ne libérait pas. Moïse n'était pas découragé. Malgré que le peuple parlait, il a continué. Ma soeur, mon frère, continue ton chemin. Même si les gens murmurent contre Dieu, toi ne le fais pas. Même si les gens parlent en mal, toi ne le fais pas. Garde-toi, préserve-toi, car Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et il le fera, il va l'accomplir par son sang, le sang qui a coulé. C'est le sang qui change la vie des gens. C'est le sang qui nous introduit dans une autre dimension dans notre vie. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu, quand il a opéré le dixième miracle ou la dixième plaie, il y a eu tous les premiers-nés qui ont été sacrifiés. Mais sauf les premiers-nés des enfants d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, pour l'amour que Dieu a pour toi, il est capable de sacrifier des nations. Il est capable de sacrifier les nations, de sacrifier les peuples. Parce que tu as du prix à ses yeux. Dieu te voit, quand il te voit, il ne te voit pas comme ton papa. Il ne te voit pas comme ta maman. Mais il te voit comme l'être le plus cher qu'il a jamais créé. C'est pourquoi ne minimise pas ta vie. C'est pourquoi ne regarde pas, ne te compare pas par rapport à d'autres. Tu es la créature la plus merveilleuse que Dieu ait pu créer sur la terre, ma soeur, mon frère. Tu es la créature la plus merveilleuse. C'est pourquoi ne te décourage pas. C'est pourquoi ne regarde pas, ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre, mais reste toi-même. Reste toi-même. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie, ma soeur. Dieu a un plan pour ta vie. Et vous allez, j'avais parlé en disant que dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu, lui, s'est manifesté seulement par rapport au sacrifice. Et quand Dieu demandait les sacrifices, ma soeur, mon frère, il demandait le sang. Et le sang qui coulait parce qu'avec Dieu, il y avait un principe que la vie se trouve dans le sang. Et cela veut dire que quand quelqu'un sacrifiait quelque chose, il lui donnait réellement sa vie. Car Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Mais Dieu a besoin seulement de ta vie. Romains chapitre 12,
Le premier verset nous dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, un culte au niveau de ton corps. C'est pourquoi ne livre pas ton corps, ne pêche pas contre ton corps, n'amène pas ton corps à l'ivrognerie, n'amène pas ton corps dans le mensonge, n'entraîne pas ton corps dans la fornication, n'entraîne pas ton corps, parce que c'est le temple de Dieu et il se réjouit d'être en toi. Et dans le Nouveau Testament, nous avons vu qu'il y a eu un grand changement, que le livre de Hébreux nous parle en disant qu'il a traversé par son propre corps. Ce n'est plus le sang des boucs, ni le sang des brebis, mais c'est son propre sang. Parce que dans l'Ancien Testament, le péché n'était pas extirpé ou ôté, mais le péché était couvert. Cela veut dire, chaque année, on devait faire encore des services perpétuels de pardon. Mais voilà que dans le Nouveau Testament, quand Jésus est mort à la croix, quelque chose de formidable s'est passé. La Bible dit que les rideaux du temple s'est déchiré de haut vers le bas et a laissé place, accès à tout un chacun de pouvoir entrer dans sa présence. C'est pourquoi Hébreux nous dit, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance afin d'être secourus. Et Apocalypse chapitre 1 nous parle en disant, nous sommes un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Cela veut dire que toi aussi, tu peux t'élever pour amener un sacrifice auprès de Dieu. Toi aussi, tu peux amener les hommes et les femmes devant la présence de Dieu. Et ça, c'est très important qu'on puisse comprendre cela. Quand tu comprends cela, tu verras que il n'y aura plus, les choses ne seront plus pareilles. Que tu as une responsabilité. Donc je veux dire, tu as une responsabilité d'amener le peuple de Dieu. Alors, nous avons subdivisé notre message en deux. Nous parlons de le sang comme instrument de combat et le sang comme instrument de protection. C'est très important parce que lorsque nous réalisons cela, c'est alors que la bénédiction de l'Éternel se manifestera dans notre vie. Et comme instrument de combat, nous avons parlé du premier point en disant que le sang est un nettoyant. C'est-à-dire, le sang nous purifie de toute la saleté. Hier, j'étais en train de partager avec ma femme par rapport à ce point. Elle a essayé de m'expliquer aussi quelque chose. Vous savez, lorsque tu nettoies les assiettes, tu utilises le savon, c'est différent. C'est-à-dire, il y a la saleté qui quitte aussi. Mais lorsque tu les mets dans les dishes, dans les dishwasher ou la machine à laver, il y a encore une différence. C'est-à-dire, la machine à laver ne nettoie pas seulement, mais désinfecte aussi. Donc, le sang de Jésus nous nettoie tout le corps, pas seulement nous nettoie, mais quand le sang de Jésus nous désinfecte aussi. Parce que le nettoyage, c'est pourquoi on dit nettoyage à sec. Cela veut dire qu'il y a certains microbes, certaines particules qui partent lorsque tu laves avec le savon, mais qui restent, il y a aussi des particules qui restent, mais au moment où tu fais passer dans la machine à laver, il y a maintenant des microbes qui étaient restés, qui sont évacués. Alors le sang de Jésus a un rôle très important dans notre vie qui nous nettoie et qui nous désinfecte aussi. Alors, celui qui est désinfecté, vous allez voir bien aimé, il y a une différence. Lorsque tu fais sortir l'assiette, après avoir lavé, tu essuies, tu verras qu'il y a la différence avec une assiette que tu as introduite dans la machine à laver. Et quand tu regardes, tu verras que l'autre est en train de briller. Cela veut dire qu'il y a certaines particules qui ont été ôtées. Et toi aussi, ma soeur, mon frère, peu importe ce que les gens ont dit, mais il arrivera un moment où Dieu, par le sang de son Fils, te purifie, te sanctifie, te désinfecte. Alors quand tu es désinfecté, il y a quelque chose qui se passe. Toi aussi à ton tour, partout où tu passes, tu désinfectes les lieux. Cela veut dire que quiconque entre en contact avec toi est désinfecté. C'est pourquoi sois dans la joie, parce que tu n'es pas n'importe qui. Sois dans la joie de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Sois dans la joie de ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie.
Dieu qui est le Dieu puissant, il m'a désinfecté. Il t'a désinfecté de toute souillure de la chair. Il t'a désinfecté de tout ce qui était des liens de famille. Il t'a désinfecté. Dis avec moi, désinfecté. Gloire soit rendue. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et j'ai parlé, donc premier point, c'était le sang de Jésus nous nettoie. Deuxième point, le sang de Jésus nous désinfecte. Troisième, le sang de Jésus comme instrument de combat, c'est pour la délivrance. Et quatrième point que nous avons parlé hier, le sang de Jésus, c'est pour la guérison. Ah oui, oui, nous avons vu, merci. Et nous donnons gloire au Seigneur pour les guérisons qu'il a opérées dans la vie des gens hier. Et nous croyons qu'aujourd'hui, ça sera encore pareil. Alors aujourd'hui, je vais continuer, je ne suis pas pressé, donc je vais donner un point et nous allons rester là avec la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit va essayer de nous ouvrir encore les yeux. Alors, le sang de Jésus, comme instrument de combat, ouvre toutes les portes qui ont été fermées dans notre vie. Le sang de Jésus, comme instrument de combat, ouvre toutes les portes qui ont été bloquées dans notre vie. Ma soeur, mon frère, Dieu a placé au devant de nous une porte ou des portes. Je vais dire une porte. Après une porte, il y a des portes. Et c'est très important de pouvoir réaliser ces choses. Et nous allons essayer un peu de tourner par rapport à cela. Car ce que Dieu accomplit est tellement merveilleux et tellement puissant. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, oh gloire à Dieu, versets 7 à 8, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis au devant de toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le sang de Jésus est un instrument qui ouvre les portes. C'est important de comprendre cela. Une porte, nous avons besoin d'une clé pour ouvrir la porte. Avec la technologie actuelle, bien-aimé, les choses ont tellement changé. Pour la voiture, à l'époque, tu devais seulement entrer d'une manière manuelle. Maintenant, avec la technologie, les choses ont tellement changé que tu peux utiliser la clé même à distance. Tu peux allumer ta voiture même à distance pendant l'hiver au lieu d'attendre à ce que la voiture chauffe. Mais tu peux allumer, tu restes chez toi à la maison, les portes sont bloquées. Et le sang, pardon, et la clé ouvre, démarre la voiture. Et il y a des choses qui se passent dans notre vie. Dans notre vie, bien-aimée, nous avons beaucoup de portes. Beaucoup de portes. La porte ou les portes que nous avons, premièrement par l'œil ou les yeux. Les yeux sont des portes. Parce que l'œil te permet d'entrer en contact ou de voir le monde physique. Et avec les yeux, bien-aimés, nous voyons ce qui est bien et ce qui est mauvais. Raison pour laquelle nous devons apprendre, bien-aimés, à pouvoir conserver nos yeux, à pouvoir garder nos yeux, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que c'est une porte d'entrée dans notre vie. Parce qu'avec les yeux, nous arrivons à voir. Parce que là, je suis en train de voir, parce que je suis en train de voir mon écran, je suis en train de voir qu'il y a un frère, il y a une sœur qui est connectée. Parce que j'utilise mes yeux. Et quand tu utilises tes yeux d'une manière erronée, ça affecte aussi ta vie. C'est pourquoi nous avons besoin du sang de Jésus pour purifier nos yeux. Pour purifier nos yeux. Parce que les yeux regardent les choses. Bien aimé, je ne sais pas si vous remarquez cela. Généralement, les yeux ont toujours tendance à s'arrêter vers les choses des fois qui sont désagréables. Des fois, je ne dis pas à tout moment, deux fois. Et nous devons aussi apprendre à éduquer réellement nos yeux. Car Dieu a besoin de tes yeux pour pouvoir voir
Et ça, je parle des yeux physiques. Il y a aussi l'œil, les yeux spirituels, qu'on peut appeler aussi la vision pour ta vie. Le diable essaiera aussi de compliquer la vision de ta vie. Que tu n'arrives plus à voir, tu n'arrives plus à voir réellement la vision de ta vie. Quand je parle de la vision, cela veut dire, tu vas où dans ta vie? Tu vas où dans ta vie? C'est très important. Le diable essaiera à tout prix à pouvoir t'étouffer, à pouvoir empêcher à ce que tu puisses aller de l'avant. Le diable t'empêchera à pouvoir exceller. C'est pourquoi il fait en sorte à pouvoir détruire ta vision. Détruire ta vision. Détruire ta manière de voir. Tu commences à voir d'une manière négative par rapport à ta vie. Tu commences à voir par rapport à d'autres choses. Vous savez, il y a une différence. Quand je porte, quand je mets mes lunettes, je vois un peu plus clair. Ce n'est pas que je ne vois pas totalement. Mais je vois. Mais je vois un peu plus clair. Cela veut dire que l'image devient un peu plus claire. Et je sais lire peut-être de loin. Comme ma fille me disait hier, Daddy, tu es devenu, tu as une vue de loin. C'est, vous savez, lorsqu'on reste dans les ordinateurs, il y a toujours des effets. Et lorsque j'enlève, je peux voir. Mais je dois un peu rétrécir un peu mes yeux pour changer la visibilité. Donc pour dire à quelqu'un, ne permets pas ce que le diable puisse détruire ta vision de la vie. Dieu veut t'amener un peu plus loin. Dieu veut apporter de grandes choses. Mais il n'a pas besoin que tout le monde... Bien-aimé, oh, je veux entrer dans mon message maintenant. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne permettra pas que tout le monde voie ce qu'il a réservé pour toi. Dieu ne permettra pas que les gens aient des visions par rapport à ta vie. Parce qu'il y a certaines choses, quand les autres le voient, ça va susciter la jalousie. Et les gens, bien-aimés, il y a des gens qui peuvent mourir à cause de cela. C'est pourquoi il y a certaines choses dans la vie, bien-aimés. Tu dois apprendre à te taire. Tu dois apprendre à garder silence. Tu dois apprendre à te réserver. Même si tu sens dans ton cœur ça bouillonne, reste calme parce que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec toi. C'est ça le problème avec Joseph. Antiloub, on dit tout bazou bazou. Cela veut dire parler trop. Il parle trop. En anglais, on dit chatterbox. Il parlait trop. Il rêve, il parle. Il rêve, il parle. Il fait ceci, il parle. Il y a un problème, il parle. Il parle, il parle. Bien-aimé, dans la vie de Dieu, il faut apprendre la discrétion par rapport aux visions que Dieu te donne. La discrétion est importante. Il y a des gens qui n'arrivent plus à vivre parce que tu as tellement parlé. Et je te donne un exemple. Tu vis avec quelqu'un ou tu as un ami. Tu lui parles, non, j'ai un projet d'acheter un hélicoptère ou j'ai un projet de m'associer dans une compagnie d'aviation. Mais pendant que lui n'a pas même la possibilité de s'acheter un vélo, quand toi tu parles à cette personne, est-ce que tu penses, même si elle rigole ou elle rit, tu penses que c'est son cœur qui rit ou c'est sa bouche? Et tu verras qu'après un moment donné, cet homme peut se retourner contre toi. Pourquoi? Parce que la vision de ta vie a suscité la jalousie dans son cœur. Il y a des gens qui meurent empoisonnés par le meilleur ami ou la meilleure amie simplement à cause de la jalousie. Mais j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. Le sang de Jésus te gardera, te protégera. Rien de mal n'arrivera à ta vie. Je dis rien de mal n'arrivera à ta vie. Il est celui qui te protège. Il est celui qui te garde. La Bible dit, celui qui me garde, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui me protège, il ne sommeille ni ne dort. Oh ma soeur, mon frère, écoute-moi. Change ta vision. Change ta vision. Garde-toi, marche avec ta vision selon que Dieu t'a accordé dans la vie. Ne copie personne, ma soeur, mon frère. Ne copie personne. Ta vie doit être authentique et originale. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Oui, je suis en train de parler à quelqu'un. Oui, je suis en train de parler à quelqu'un. Ta vie doit être originale. Oh, ma soeur, mon frère. Ma soeur, mon frère, je vois avec mes propres yeux. Je ne veux pas emprunter les yeux de quelqu'un d'autre. Toi aussi, n'emprunte pas les yeux de quelqu'un d'autre. Vois ta vie. Vous savez, Dieu m'a parlé que je veux marcher. Dieu va m'amener, sillonner le monde. C'était en 1900.
96 pour la France ou 96 pour les Belges. Dieu m'avait parlé en disant, fils, je vais te prendre, tu vas sillonner le monde. Mais vous savez bien aimé, pendant qu'il a parlé, je n'entrais même pas dans une voiture. Mais Dieu avait parlé. Et bien aimé, 20 ans après, quand je commençais à me promener, j'ai commencé à circuler, j'ai dit, waouh, 20 années après, bien aimé, les hommes peuvent échouer, mais la parole de Dieu n'échouera pas. Parce que Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est pourquoi le sang de Jésus, le sang de Jésus ouvre des portes devant de toi, soigne ta vision, soigne ta manière de voir les choses. Tu n'es pas madame ou monsieur tout le monde, mais toi c'est toi, dis-moi c'est moi. Non, je n'attends pas, quelqu'un peut dire moi c'est moi. Moi c'est moi, je vis ma vie par rapport à la vision de ma vie. Je ne veux pas, bien aimé, emprunter les lunettes de quelqu'un d'autre. Ces lunettes me suffisent parce que c'est par rapport aux unités de mes yeux. Toi aussi, tu dois voir aussi par rapport aux unités de ta vie. Je veux dire, ta foi peut t'amener à voir de grandes choses. Oh my God. Je sens que l'atmosphère commence à changer. Est-ce que tu peux dire c'est moi maintenant? Tu peux dire c'est moi. Parce qu'il y a des choses qui doivent se passer dans ta vie. Soigne ta vision. J'ai dit soigne ta vision. Qu'est-ce que la vision? La vision, quand on parle de la vision, Jérémie chapitre 29, le verset 11 nous dit, car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Et quand on parle de ce projet, cela veut dire scopos. Scopos veut dire un objectif que Dieu est en train d'atteindre dans ta vie. Un plan que Dieu a déjà formé avant que tu ne viennes sur la terre. Et il dit, bien aimé, quand tu es sorti du sein maternel, tu sais pourquoi quand les bébés naissent, quand tu es né, tu as crié et tu avais le poing fermé. C'est pour dire « Yes ! » Ça va maintenant, je suis sorti. Je suis sorti avec ma destinée. Je suis sorti avec ma vision. Cela veut dire, soigne ta vision. Car le sang de Jésus ouvre les portes qui étaient fermées. Je dis à quelqu'un, ne vois pas les impossibilités. Le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, c'est plus que le bulldozer. Le sang de Jésus balise ton chemin. Le sang de Jésus ouvre toutes les choses. Les portes, bien aimé, derrière une porte, il y a des portes. Je dis, derrière une porte, il y a des portes. Quelqu'un peut se présenter à toi. C'est pourquoi dans la vie, ne néglige pas celui qui est devant de toi. Ne néglige pas les connexions. Ne néglige pas. Tu peux le voir aujourd'hui, il est rien. Mais et une chose, après un jour, après une semaine, après un mois, après 10 ans, Dieu peut opérer de grandes choses dans sa vie. C'est pourquoi ne méprise. Oh, je parle à quelqu'un. Rosakalabake. Nerebosata. L'Éternel Dieu est en train de parler à quelqu'un qui me suit présentement. Après ce confinement, je vais dire, pendant ce confinement, tu recevras un appel de quelqu'un. Beaucoup d'années, vous vous êtes séparés. Tu recevras l'appel de cette personne. Et après le confinement, cette personne va encore te relancer. Pour dans un domaine bien précis de ta vie. Parce que, ah voilà, le Saint-Esprit m'éclaire par rapport à cela. Cette personne, de temps passé, elle est partie avec ta dette. De temps passé, elle est partie avec ta dette. Et tu l'as cherchée, tu ne l'as jamais retrouvée. Et même, tu as même prononcé des paroles contre elle. Mais écoute-moi, enlève cette parole. Je te parle à toi. Il y a une personne qui est partie avec ta dette. Tu étais fâché, tu as libéré même des paroles. Commence d'abord par retirer les paroles que tu as prononcées. Car Dieu veut faire revenir la personne. Là où elle est, les choses sont ouvertes. Mais elle n'arrive pas à atteindre un certain niveau à cause des paroles que tu avais prononcées. Mais Dieu est en train de te parler, enlève les paroles. Si tu te souviens bien, peut-être tu dis, non, j'ai oublié. Oui, mais c'est toi, je suis en train de parler. Dieu te parle, enlève ces paroles et tu verras que la personne va te contacter. Après cela, la personne va encore relancer les choses et tu témoigneras au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, soigne ta vision. Soigne ta vision. Soigne ta vision. Ne permets pas à quelqu'un d'autre de la détruire. Tu es tellement précieux. Il y a des choses, quand je parle de la vision, il y a des choses qui se passent. Je me rappelle, en 2006,
J'étais en train de dormir ici en Angleterre. À cette époque-là, on avait que deux enfants. On n'avait que les deux garçons avec ma femme. Elle était à la cuisine. Moi, je dormais sur le sofa. Et j'ai eu une vision que je me retrouvais chez nous, la maison de mon papa à Kinshasa, en train de dormir sur le canapé. Alors, je me suis posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien, mais ça faisait déjà, donc moi je suis arrivé en Angleterre en 2001. Ça faisait déjà 5 ans que j'étais déjà en Angleterre. Donc j'avais déjà l'image de l'Angleterre. Mais j'avais toujours la vision, comme quoi je me retrouvais en Afrique, en train de prêcher en Afrique, où je me retrouvais en train de m'étaler sur les fauteuils. Et ce jour-là, je me suis réveillé. C'était un petit sommeil, hein? Je me suis réveillé. Et j'ai appelé ma femme. Parce que ma femme, on était fiancés depuis le pays en 99. Alors je me suis dit, je l'appelle un peu, peut-être qu'elle est venue me rendre visite chez nous à la maison de mon père. Et je l'appelle. Je dis, maman Mireille, viens. Elle vient. Je dis, on est où? Elle me dit, mais quel genre de question? Je dis, non, on est où? Elle me dit, mais chérie, on est ici en Angleterre. À ce moment-là, on habitait à Grosvenor Road, à Péribas. Alors, j'ai dit, on est là, c'est vrai. Et je vois subitement mes deux enfants, Samuel qui avait à peine une année et Joshua qui avait à peine quelques mois, qui viennent aussi. Alors, je me rends compte que j'étais en Angleterre, mais ma vision n'était que toujours au Congo. Ah frère, ce jour-là, je me suis levé. J'ai dit que non, tous les rêves qui ne sont pas conformes à ma vision, j'ai détruit cela au nom de Jésus. Et j'ai pris autorité contre cet esprit qui voulait m'accaparer de ma vision, que je reste cloué au Congo. Et depuis ce jour-là, bien aimé, les choses ont changé dans ma vie. Et les portes étaient ouvertes. Je suis entré à l'université. Voilà, c'était le démarrage de toutes choses. Donc je vais dire à quelqu'un, le diable peut utiliser la vision de ta vie pour que tu sois toujours bloqué, pour que les portes ne s'ouvrent pas. Mais par le sang précieux de Jésus, je viens chez toi au nom de Jésus-Christ Nazareth, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. J'ai dit que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ Nazareth, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus, que ta vision de la vie, c'est la vision de la vie qui était bloquée. Je viens par la puissance du sang de Jésus te délivrer de cela. Au nom puissant de Jésus. Oh, je ne sais pas si... Est-ce que c'est vrai que ça, l'image est en train de bugger? Est-ce que vous pouvez me faire signe si c'est bon ou il y a un problème? Ma soeur Lydie, est-ce que c'est clair maintenant? Parce que... Il y a la soeur Lydie qui dit comme quoi que ça bug, ça bloque un peu. Est-ce que c'est vrai? Faites-moi signe si c'est bon. Écrivez un peu pour voir si c'est bon maintenant ou ça marche. Ah oui, ça marche bien. Ma soeur Lydie, tu peux me confirmer que c'est bon maintenant? Ah oui, donc apparemment... Oui, c'est bon, oui. Maman la grâce a dit c'est bon. Sœur Lydie dit que ça coupe. Ma sœur Lydie, tu peux un peu vérifier ta connexion parce que tout le monde dit que c'est bon, même moi-même aussi, je suis en train de voir que c'est bon. Ah oui, c'est bon. Donc, essaie un peu de revoir un peu ta connexion. Je vais essayer. Ah ouais, tout le monde dit que c'est bon. Ma sœur Lydie, essaie un peu de voir encore avec ta connexion. Ah ouais. Ah ouais. Ah, peut-être comme tu es sur le portable. Oui, essaie un peu de refaire encore. Ah ouais, gloire à Dieu. Alors, j'étais en train de dire que c'est quelque chose de très important de pouvoir soigner sa vision, de soigner la manière de voir les choses. De soigner les choses, bien aimé. Il y a des gens de foi qui viendront. Parce qu'il y a des portes, bien aimé. La vie chrétienne,
Il y a toujours des choses qui arrivent pour t'écarter de ta vision, de ta visibilité. Donc j'avais dit, la première porte, je suis en train de parler, ce sont les yeux, ta vision, la visibilité, la vision de ta vie. Tu sais, des fois, tu peux rêver que tu es en train de te retrouver. Tu vois ta vie en couleur, tu es en train de voir que les choses sont tellement merveilleuses, mais tout autour de toi, tu vois que tout est bloqué, les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Ce n'est pas normal. Tu dois aujourd'hui invoquer le sang de Jésus pour détruire cela. Pour détruire cela. Bien aimé, dans le passé, il y avait certaines visions que je voyais. Je me retrouvais dans des lieux où il y avait une moquette rouge, où c'était tellement beau. Mais à l'époque, je n'y étais pas. Mais le jour où je suis arrivé à Roissy Charles de Gaulle, bien-aimés, je suis entré, quand j'ai passé le check-in, arrivé de l'autre côté, je me suis retrouvé sur une moquette rouge et c'était tout beau. C'est que les gens qui voyagent Paris Charles de Gaulle, vous allez voir combien il y a, bien-aimés. Mais moi, je l'ai vu il y a tellement longtemps, mais je ne savais pas où. Mais quand je suis arrivé là, le Saint-Esprit m'a rappelé. C'était après combien de temps que j'ai vu cela se réaliser. C'est pour dire que tout ce que tu es en train de voir, tu n'es pas en train de rêver seulement. Mais ce sont des choses que Dieu est en train de te préparer pour que quand cela arrivera, que tu ne sois pas choqué, que tu ne sois pas scandalisé. C'est pourquoi dans la vie, écoutez-moi ma soeur, mon frère, sélectionne les gens qui sont tout autour de toi. Non, je parle à quelqu'un. Sélectionne les gens qui sont tout autour de toi. Les gens qui ne supporteront pas de voir ta vision, de voir ta grandeur. S'il te plaît, sépare-toi d'eux. Non, je parle à quelqu'un. Sépare-toi d'eux. Sépare-toi d'eux. Sépare-toi d'eux. Car il y a des gens qui ne supportent pas, qui ne supporteront pas ta gloire. Tu as un ami qui part. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui part. Gloire à Dieu. Mais soigne, reste attaché. Parce que le sang de Jésus est prêt pour ouvrir des portes dans ta vie. Ta vision, tu dois soigner, bien-aimé. Tu dois prendre à soigner tout ce que tu es en train de rêver. Tout ce que tu es en train de rêver. En bon, que cela s'amplifie. En mal, nous détruisons cela par la puissance du sang de Jésus. J'ai dit, je détruis tous les mauvais rêves dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit, je détruis les mauvais rêves dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu rêves, tu es dans des cimetières. Nous annulons cela au nom de Jésus. J'ai dit, nous annulons cela au nom de Jésus. Tu rêves toujours en train de perdre des richesses. Et quand tu te réveilles, tu vois aussi qu'on te vole. Au nom de Jésus, nous arrêtons cela. Oui, j'ai dit, au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, que cette porte-là se ferme. J'ai dit que cette porte... Oh, mandelebo. Kendelebo, chantelebo, katelebo, kalebo, chanta. Yendelebo, oh, la machetelebe, kendelebo. Je te parle, toi qui rêve souvent. Dans tes rêves, il y a toujours des poursuites. Mais dans ces poursuites-là, tu n'as jamais remporté, tu n'as jamais gagné. Mais il arrive seulement des moments où on te bloque. Des fois, tu es lié, tu es ligoté. On te place sur un arbre, attaché, pendant des heures et des heures. Tu cries au secours, ta voix part, il n'y a personne pour t'aider. Mais il y a la puissance du sang de Jésus qui descend maintenant pour détruire cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dans tes rêves, tu vois toujours que tu donnes naissance, mais tu perds toujours les enfants. Je viens détruire cet esprit démoniaque qui ferme, qui a fermé la porte, qui a fermé la porte de ton ventre. Tu n'arrives pas à concevoir, au nom de Jésus, que le sang de Jésus te touche. O mambro saka, yekontolobo sekalabage, yekontolobo sete. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Je parle à quelqu'un maintenant, c'est un couple. Il arrive à... Pendant les moments d'intimité, il y a des choses qui se passent où il n'y a pas satisfaction totale. Je dis au nom de Jésus que cette puissance libère votre couple au nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un maintenant.
sur ta figure, il y a un masque qui a été placé pour empêcher que cette porte de mariage puisse s'ouvrir. Par la puissance du sang de Jésus, que ce masque tombe maintenant au nom de Jésus. Oh, il y a la gloire, il y a la présence de Dieu. Il y a la présence forte de Dieu. Il y a la présence de l'Éternel. Il y a la présence du Dieu Tout-Puissant. Il y a la présence de Dieu. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Tu as l'habitude de partager des choses avec une personne qui est trop proche de toi. Mais écoute-moi, ne dis pas tout. Ne dis pas tout. Ne dis pas tout. Kola masata. Yende le bochete. Le diable, c'est un menteur. J'ai dit à quelqu'un, le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Tu es en train de voir ta vie finie. Le diable, c'est un menteur. Tu es en train de voir que tout est consommé. Le diable est un menteur. Dis avec moi, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. J'ai dit, le diable est un menteur. Ne la machete. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. J'ai dit, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Non, je reprends, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le mensonge du diable, c'est de te présenter que ta vie est finie. Vous savez, des fois, les gens, lorsqu'ils totalisent 50 ans, ils voient que la vie c'est fini. Lorsqu'ils totalisent 40 ans, ils voient que la vie est finie. Lorsqu'il atteint 35 ans sans mariage, il dit, c'est fini, ma vie est finie. Mais je vais te dire, pendant que tu penses que c'est fini, c'est alors que la réalité de ta vie commence maintenant. Il y a ton histoire. Ce ne sont pas les gens qui l'écrivent, mais c'est toi qui l'écriras à l'aide du sang de Jésus. Le sang de Jésus ouvre la porte. Que ta vie, la vision de la vie change. J'ai dit que la vision de la vie change. Quand tu t'appelles vieille toi-même, qui peut t'appeler encore jeune? Quand tu t'appelles, tu te donnes toi-même que tu es laid. Qui va t'appeler beau? Quand tu te dis toi-même que tu es moche, qui va t'appeler belle? Change la vision de ta vie. Que le sang de Jésus débloque des choses. Que le sang de Jésus débloque des choses dans ta vie. Donc j'ai parlé que le sang de Jésus a la puissance d'ouvrir toutes les portes qui ont été fermées. Les portes qui ont été fermées. Laissez-moi vous dire, ma soeur, mon frère, il y a des portes qui sont fermées et qui ne s'ouvriront plus jamais. Parce que Dieu le veut. Dieu a voulu que ces portes se ferment pour ton bien. Tu réclames, tu pleures, tu te poses des questions. Mais c'est pour ton avantage. Oui, ma soeur, c'est pour ton avantage. C'est pour ton avantage. Tu étais fiancé et le fiancé est parti ou la fiancée est partie. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pour ton avantage. J'ai dit, c'est pour ton avantage. Quand une porte se ferme pour ton avantage, tu sentiras des remords. Tu vas commencer à pleurer. Je me rappelle un jour, j'ai travaillé. Et du coup, il y a eu un problème au niveau du travail. J'ai démissionné. Et le jour où je rentrais, quand je rentrais, je me disais maintenant, comment que ferais-je pour nourrir ma femme, mes enfants, pour l'œuvre de Dieu? Quelque chose s'est passé. Le Seigneur me dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Je suis avec toi, tu es mon serviteur. Vous savez, des fois dans la vie, nous passons toujours par là. J'ai dit, nous passons toujours par là, nous passons toujours par les murmures. Peu importe, quand les choses arrivent, nous passons toujours par les murmures. Mais le problème, c'est que nous ne restons pas dans les murmures, mais nous sautons, nous passons outre les murmures. Et quelques temps après, bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé, bien-aimé.
la société, comme on dit, on a mis tout le monde redundant, c'est-à-dire congé technique. Les gens ont quitté le travail. Moi, j'étais parti déjà bien avant. Mais pendant qu'on annonçait aux gens que la société a fait faillite, on fermait. Les mêmes personnes qui étaient restées commençaient à pleurer. Mais moi, pendant ce temps, j'avais déjà eu un autre travail. Vous voyez comment Dieu fait. Il y a certaines portes qui se fermeront pour ton avantage. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a certaines portes qui doivent se fermer pour ton avantage. Et quand cette porte se ferme, bénis Dieu. Bénis Dieu parce que après une porte, il y a des portes. Et la puissance du sang de Jésus ouvre les portes maintenant dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, les portes qui étaient fermées, je dis les portes qui étaient fermées, s'ouvrent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus ouvre les portes. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de la clé, mais tu as besoin du sang de Jésus. Le sang de Jésus ouvre les portes fermées. Si c'était la porte financière, que par la puissance du sang de Jésus, que cette porte s'ouvre maintenant, que cette porte s'ouvre, rebraquette à mon canté. Que cette porte financière s'ouvre maintenant. Que cette porte financière, non, je parle à quelqu'un, que cette porte s'ouvre maintenant. Oh, par la puissance du sang de Jésus. Mon oreille est en train de sonner. L'Éternel est en train de parler. Oh, la machete lebe. Oh, ma conto loboke. Oh, la machete lebo chante lebe. La porte s'ouvre, ma soeur, par la puissance du sang de Jésus. La porte de la guérison s'ouvre dans ta vie. Mandolo Moshe Telebe, tu seras la première personne. Tu es la première personne à inaugurer la nouveauté dans ta famille. Non, je parle à quelqu'un. Tu es la première personne à inaugurer la nouveauté dans ta famille. Les choses qui ne se sont jamais produites dans ta famille se produiront grâce à toi. La limite qu'on avait tracée, que les gens ne peuvent jamais dépasser. Mais par la puissance du sang de Jésus, toi tu traverses maintenant. Dis avec moi, je traverse maintenant. Dis avec moi, je traverse maintenant. Par la puissance du sang de Jésus, que les portes s'ouvrent au devant de toi. Les portes de ta vie, au nom de Jésus. Kundolobo Satan, je sens que Dieu est en train d'opérer quelque chose de surnaturel dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de l'opérer maintenant. Rondabo Katelebo, Kendalaba Setalabage, Yendelebo Chete. Si tu es là à la maison, si tu es là à la maison, tu as ta carte bancaire. Tu peux toucher ta carte bancaire. Je vais prier. Le Seigneur me pousse seulement à prier. Le Seigneur ne m'a pas dit qu'est-ce qu'il va faire. Il me dit seulement de prier pour les cartes bancaires. Kolomo sheta labake. Kolomo shete lebege. Au nom puissant de Jésus, je vais prier. Bien aimé, c'est par la foi. Prends ta carte bancaire. Romake la machete. Prends ta carte bancaire, qu'on la machette à la baquette. Si tu as pris ta carte, est-ce que tu peux me faire signe? Parce que je ne veux pas prier en l'air. Est-ce que tu peux me faire signe? Qu'on la machette à la baquette. Tu peux me faire signe comme quoi j'ai ma carte avec moi. Ou j'ai ma carte sur moi. Recanté le beau santa la baguette. Ou tu peux m'envoyer juste un like pour montrer que tu as ta carte bancaire avec toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Encore. Je vais prier. Tu as ta carte bancaire. Rokatira bachete. Yendele bokala machete. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Pas seulement une carte. Si tu as plusieurs cartes, rassemble seulement toutes ces cartes-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais prier. Même vous qui est en ligne, qui me suivez en ligne téléphonique, prenez vos cartes. Kolobo kolebo chete. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse en Venise. Gloire à Dieu. Kolobo chete. Que Dieu te bénisse. Papi Mutombo, je vais prier maintenant. Vous êtes prêts avec la carte bancaire? Je vais prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur mon Dieu de gloire, dans ces temps de confinement, mon Dieu de gloire, Yahweh, il y a ceux qui ont perdu le travail, il y a ceux qui travaillent
mais il y a ceux qui avaient des projets, éternel mon Dieu de gloire. Mais comme la banque, éternel mon Dieu de gloire, des fois est fermée, ne peut pas faire ces choses. Mais je prie et je libère par la puissance du sang de Jésus que la porte financière s'ouvre au nom puissant de Jésus. Donc je dis à quelqu'un, au sortir de ce confinement, que ton compte bancaire atteigne un niveau que tu n'as jamais atteint avant le confinement. Au nom de Jésus, que les moins soient changés en plus au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et cela va s'opérer. Que Dieu ouvre des portes de connexion. Dieu ouvre des portes de business. Que Dieu ouvre les portes d'un travail rentable. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, j'étais en train de parler sur le sang qui ouvre les portes. Qui ouvre les portes. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre porte. Je ne saurais pas tout parler. Bien-aimé, je ne suis pas pressé, mais je veux seulement que nous puissions comprendre que nous prions. Une autre porte, bien-aimé, c'est la bouche. C'est la bouche, bien-aimé. La bouche, bien-aimé, la Bible nous dit, il y a un petit organe qui est la langue. Il y a des gens qui sont capables de maîtriser l'ours, les lions, léopards, tigres. Mais ils ne sont pas capables de maîtriser la langue. Faisons très attention, ma soeur, mon frère. Parce que la langue peut te conduire, donner la vie ou comme donner la mort. D'une même source ne peut jamais jaillir l'eau douce et l'eau amère. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois commencer à soigner ta bouche. Toutes les paroles négatives doivent quitter par la puissance du sang de Jésus. Tu parles mal sur ta vie. Tu parles mal sur tes enfants. Tu parles mal sur ton futur. Non, ça n'ira pas. Ça ne marchera pas. Je mourrai. Ces choses, bien-aimé, tu dois apprendre à changer maintenant. La puissance du sang de Jésus brise maintenant toutes les paroles négatives qui ont été prononcées. Bien-aimé, vous savez, le monde des ténèbres utilise les paroles que nous libérons. Les paroles sortent de la bouche en disant que ma vie, je ne comprends pas. Le diable s'en saisit et il fait en sorte que tout autour de toi, que les choses ne marchent pas. Et tu vas commencer à confirmer en disant, oui, je l'avais déjà vu, je l'avais déjà parlé. Bien-aimé, parlons de bonnes choses, je dis, parlons de bonnes choses. Arrête d'être prophète de malheur, prophétesse de malheur de ta vie. Par la puissance du sang de Jésus, je brise toutes ces paroles que toi-même tu as prononcées, que le monde des ténèbres s'est saisi de cela et tu n'arrives pas à avancer. Oh non, oh membre, c'est quand il est beau, quand il est beau. Rindo, oh, bien-aimé, je ne sais pas. Je sens tellement la puissance de Dieu pour te dire trop c'est trop. De la bâchette, bébé. Trop c'est trop. Qu'on a bâchette, bébé, quand il est beau. Trop c'est trop. Trop c'est trop, ma soeur, mon frère. Trop c'est trop. Tu es tellement négatif. Tu es tellement négatif que tu ne crois même plus à ta propre prière. Tu ne crois même plus à la parole des hommes de Dieu. Tu ne crois même plus à ce que la Bible dit. Parce que tu as dit, j'ai tellement fait, j'ai fait ceci, ça n'a pas marché. C'est toi qui vois que ça n'a pas marché. C'est toi qui crois que ça n'a pas marché. Mais dans le monde spirituel, il y a eu déjà le ciel commençait à s'ouvrir. Mais comme tenu de ta négativité, tu commençais à bloquer le ciel, tu commençais à bloquer les portes. Mais dans le nom de Jésus, que la puissance du sang de Jésus ouvre la porte, détruit toutes les paroles négatives, détruit toutes les paroles négatives. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'ai dit, j'ai détruit tout au membre. Il y a un principe, bien-aimé. La Bible dit, aucune parole qui sort ne revient sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été destinée. Quand tu prononces une parole mauvaise, elle va prendre tout ce qui est mauvais et amener cela dans ta vie. Quand tu remarques que dans ta vie, les choses ne marchent pas, souviens-toi, quelle parole tu avais libérée. J'ai dit, quelle parole as-tu libérée?
Et ses paroles restaient là. Le diable s'en est saisi. Et il fait en sorte que les gens ne puissent pas t'aimer. Tu te poses toujours la question, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Parce que toi-même, tu dis que les gens ne t'aiment pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi, si tu ne le sais pas. Le nombre de gens qui t'aiment est plus élevé que le nombre de gens qui te détestent. Sauf que tu es seulement entouré de gens qui parlent du mal de toi. Mais par la puissance du sang de Jésus, que l'Éternel te délivre des gens qui parlent du mal de toi. Mais qu'il avance auprès de toi les gens qui t'aiment. Oh, je parle. Si tu es là, dis avec moi, amen. Dieu le fait pour toi. Dieu le fait pour toi. Dieu le fait. Oh, mambro kotobo sitarabakete. Rindebo kotoloboche. Ta bouche. La Bible dit, à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas, il n'y aura pas de pluie. Cela veut dire aussi, quand tu parles du mal, il y a la loi du mal, la linéa du mal s'accomplit dans ta vie. Les choses n'avancent pas, tes enfants n'avancent pas. Les gens qui pleurent souvent sur leurs enfants, vous êtes en train de maudire vos enfants. Mais par la puissance du sang de Jésus, j'entre et je détruis même tes propres paroles contre tes enfants. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimé, des fois, tu as besoin d'aider les gens. Tu as besoin d'aider tes parents, mais tu es limité. Mais voilà que les parents se plaignent. Ils prononcent des paroles et ta vie est bloquée. Mais laisse-moi te dire, il y a un papa qui est élevé au-dessus de ton papa. Il y a un papa qui est élevé au-dessus de ta maman. Que toutes les paroles négatives qui ont été prononcées, même au niveau de leur chambre, soient détruites dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus brise. Oh, mambro kate. Je ne sais pas si tu comprends ce que je sais qui se passe. Je ne sais pas si tu es en train de sentir cette puissance de Dieu qui est en train d'être libérée maintenant. Cette gloire de Dieu qui est en train d'être libérée maintenant. Je le sens de tout mon corps. Je sens la puissance de Dieu traverser mon corps. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train d'opérer quelque chose. Dieu est en train d'opérer quelque chose. Les paroles qui étaient restées sur le toit de ta maison, ces paroles sont détruites maintenant. Ces paroles sont détruites par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Commence à déclarer avec moi. Dis, je suis libre de toutes mauvaises paroles. Dis avec moi, je suis libre de toutes mauvaises paroles. Non, je n'attends pas quelqu'un. Est-ce que tu peux dire, je suis libre de toute mauvaise parole prononcée par moi-même? Est-ce que tu peux prononcer cela? Est-ce que tu peux prononcer cela? Je suis libre de toute mauvaise parole que j'ai prononcée. Je suis libre de toute mauvaise parole que j'ai prononcée. Ma soeur, mon frère, si tu as appelé ta femme une sorcière, annule ces paroles-là. Ta femme n'est pas une sorcière. Si tu as appelé ton mari le lion, bien-aimé, enlève ce nom-là du lion. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, enlève ce nom-là. Annule les paroles que tu as prononcées pour dire que mes enfants sont inutiles de vaurien. Annule ces paroles-là par la puissance du sang de Jésus. Annule toutes ces mauvaises paroles. Si tu as même caché ces paroles à ton mari ou à ta femme, mais si vous êtes ensemble, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Dis à ton mari, dis à ta femme, j'annule toutes les mauvaises paroles que j'avais prononcées. Toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de ma chambre. Ma soeur, maman, pendant que tu étais dans la chambre, tu étais en train de pleurer contre ton mari. Les paroles là, ton cœur a parlé et cela a bloqué même. Libère-toi, libère ces paroles, annule ces paroles là par la puissance du sang de Jésus. Papa, lorsque tu étais là, ta femme n'obéissait pas, mais tu as déclaré des paroles. Dieu, écoute-moi, en tant que mari, tu es le chef de ta femme. Et quand tu prononces de telles paroles, ces choses ont des effets. Comme annule maintenant ces paroles au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai dit quelque chose va se passer dans la vie de couple. Toutes les mauvaises pensées. Cet esprit de soupçon contre ta femme. Cet esprit de soupçon contre ton mari. Soit annulé et brisé par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que cela te libère. Que ces paroles libèrent. Que les paroles libèrent.
Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Bien-aimé, le sang de Jésus. Le sang de Jésus libère une famille toute entière. Le sang de Jésus libère une famille toute entière. Le sang de Jésus libère une famille toute entière. De là-bas, chata la baguette. Yendele moseta la baguette. Yendelebe, écoute-moi. Pendant que tu dors, pendant qu'on dort, il y a des gens qui prononcent des paroles de malédiction. Aujourd'hui, nous annulons cela par la puissance du sang de Jésus. Depuis que tu t'es marié, voilà que tous les mots tombent sur toi. Toutes les paroles mauvaises, comme quoi ton mariage, tu vas échouer dans ton mariage. Parce que ta soeur avait échoué. Parce que ton frère avait échoué. Laisse-moi te dire, le sang qui coule en toi, ce n'est pas le sang de ton frère. Ce n'est pas le sang de ta soeur. Mais c'est le sang de Jésus qui nous a purifiés. Je te fais sortir de cette lignée des hommes et des femmes qui échouent dans leur mariage. J'ai dit, je te fais sortir de cette lignée des hommes et des femmes dont les enfants échouent dans l'éducation. Je te fais sortir de cette lignée des hommes et des femmes qui échouent au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les gens qui attendent l'échec de ton mariage, ils changent d'avis. Ils changent d'avis. Ils changent d'avis. On a prononcé des paroles comme quoi dans ta vie, tu vas te marier avec un vaurien, un homme inutile. Voilà que l'Éternel des armées change maintenant ses paroles. Même si cet homme-là était un vaurien, mais grâce à la prière des saints, cet homme prend la forme. Cet homme prend la forme. Cet homme prend la forme. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, cette femme prend la forme. Au nom de Jésus, bien-aimé, à cause de ta destinée, la vie de cet homme peut changer. À cause de ta destinée, la vie de cette femme peut se... Oh, Rembroketa Mokondolobo, Rindebokotolobo Chete, Rindebosetarendabake. Je suis en train de parler à quelqu'un. N'attends pas que je dise, c'est la parole de l'Éternel pour toi. Mais quand tu te retrouves, si tu es même au niveau de ta maison, tu peux sauter pour dire, Dieu m'a parlé. Tu cherchais que Dieu te parle. Dieu t'a parlé. Mombro sekarebake. Rindebokotoloboshete. Delamake. Pourquoi tu es un blocage pour ta vie? Pourquoi es-tu un blocage pour ta vie? Pourquoi es-tu un blocage pour ta vie? Tu vois toujours les choses en mal. Tu vois toujours les choses en mal. Quand les gens te regardent, pourquoi ils me regardent? Quand les gens parlent, pourquoi ils parlent? Bien-aimé, le problème, ce ne sont pas les gens, mais c'est toi qui es le seul problème de ta vie. Parce que tu as une mauvaise image de ta personnalité. Parce qu'elle a tellement été détruite. Elle a tellement été détruite que dans ta vie, tu as pris l'image de la destruction et tu as fait porter cela dans ta vie. Raison pour laquelle ta vie n'a plus d'impact pour toi-même. Bien-aimé, imagine que tu ne t'impactes pas toi-même. Comment tu vas impacter quelqu'un d'autre? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Comment peux-tu impacter quelqu'un d'autre? C'est pourquoi au nom de Jésus, je me lève contre tout ce qui dérange ta vie. Je me lève contre tout ce qui est négatif. Cet esprit de crabe qui t'empêche d'aller de l'avant. Cet esprit de crabe qui te bloque de ne pas monter. Au nom de Jésus, je libère la grâce de Dieu. Je dis, je libère la grâce de Dieu. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Bloque tes bossettes. Je dis, sois libre maintenant. Sois libre toi-même. Libère tes pensées. Je libère tes pensées par le sang de Jésus. Je libère. Goman bloque tes bossettes les bim. Tes pensées étaient devenues des territoires occupés par la négativité. Tu es trop négative, ma soeur. Oui, je te parle. Tu es trop négative par rapport à ta vie. Tu as connu un échec. Et après, j'ai dit, tu as connu un échec. Et après, pourquoi tu veux bâtir ton empire par rapport à l'échec que tu as connu? Dis-moi. Dis-moi. Si l'âge a avancé, mais pourquoi tu ne vois pas que l'âge avance, mais tu restes, tu rentres toujours. Quand ces choses se sont produites, tu avais encore 30 ans, tu avais encore 35 ans. Mais pourquoi tu restes toujours là? Tu es un blocage pour ta propre vie. Je te parle aujourd'hui. Je te parle aujourd'hui. Au nom de Jésus, change tes pensées.
Enlève la condamnation dans ta vie. Lève-toi maintenant, change d'avis. Continue ton chemin. Le sang de Jésus ouvre la porte au-devant de toi. Personne ne te bloque. Mais toi-même, tu te bloques. Parce que tu as une mauvaise image de ta vie. Ce que les gens pensent, ce que les gens disent, ce que les gens vont dire, ce que les gens vont croire. Bien-aimé, je m'en fous. Non, je reprends. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Bien-aimé, je m'en fous éperdument de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Je m'en fous. Mais je me préoccupe de ce que Dieu a dit et ce que moi j'ai dit de moi-même. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu te laisses abandonner. Tu regardes comment tu es devenu. C'est comme si tu es devenu le dernier des humains. Parce que les gens ont dit. Parce que les gens ont raconté. Bien-aimé, ta vie, tu l'as fait par rapport aux gens. Tu commences à... Bien-aimé, tu as pris la bouche des autres. Tu commences à parler sur ta vie. Dans le sang de Jésus, brise cela. Brise cet esprit. Que cet esprit de négativité qui était entré en toi, nous délogeons cela au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Aujourd'hui, je n'ai pas un problème avec le diable, mais aujourd'hui seulement, mais j'ai un problème avec toi-même d'abord. J'ai un problème avec toi-même d'abord, parce que tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Les gens voient que tu t'habilles, les gens voient que tu... Mais tu ne t'aimes pas. La manière dont tu te parles toi-même en secret, la manière dont tu parles par rapport... Je sens mon esprit être en colère. Non pas contre toi, mais contre l'esprit qui t'agite là, contre l'esprit qui te fait voir toujours que tu n'es pas belle, que tu n'es pas beau, que tu ne vas pas réussir. Je me lève contre cet esprit au nom puissant de Jésus. Je me lève contre cet esprit au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle au son de ma voix, que cet esprit te libère maintenant. Yenderebo shinderebo yekondolobo shiterebe kandelebo yendelebo kondolobo shiterebe yendelebo santerebo. Que la puissance du sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus brise toutes les paroles, brise toutes choses, brise toutes choses, brise toutes choses, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant. Bien-aimé, même si ta maman ne t'a jamais aimé, même si ton papa ne t'a jamais aimé, moi je vais te dire que je t'aime. Je vais te dire, le Jésus de la Bible t'aime, que Dieu t'aime. Arrête de baisser ta tête, arrête de marcher la tête courbée, comme si tu n'as plus besoin de la vie. Tu veux même que la mort arrive. Laisse-moi te dire, la mort n'a pas le droit d'arriver parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. J'ai dit, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Cet homme peut partir, cette femme peut partir, mais Dieu a encore besoin de toi. Oh, oh, Rondo Yendabachete, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Ma soeur, Dieu a besoin de toi. Mon frère, Dieu a besoin de toi. Par le sang de Jésus, nous brisons toutes ces choses. Bien-aimé, n'attends pas que je puisse prier. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a des choses qui se produisent maintenant dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Pendant que je suis en train de parler, tu peux prendre même un verre d'eau. Tu regardes un peu dans le coin, les recoins. Tu peux asperger l'eau pour dire toutes les paroles qui étaient restées. Je suis en train d'annuler cela. Brokataba. Bien-aimé, vous savez, dans la vie de Dieu, lorsqu'on entre dans les prophétiques, nous devons devenir comme des enfants. Nous devons devenir comme des enfants et faire des choses. Oh, mambrose, andelebo, kenderebo, cheterebege, yenderebo, kalabache, terebege, yenderebo, koloboche, mondorobo, keterebo, yenderebo, kalabache, terebege, rekanderebo, cheterebege. Oh, la puissance de Dieu. Il est là, notre Dieu. Il est là, notre Dieu. Il est là, notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, il y a la présence de Dieu qui circule dans ta maison. Si tu es à côté de tes enfants,
Tu as eu à prononcer des paroles que tu n'avais pas annulées. Prends seulement tes mains, impose tes enfants. Bénis-le, bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Brosse candelebo. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Libère la bénédiction. Même si tes enfants sont loin, lève seulement tes mains. Déclare. Cite le nom de tes enfants. Bénis-le. Seigneur, j'ai béni Samuel Junior. J'ai béni Joshua. J'ai béni Precious. J'ai béni Jaden. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai béni ma femme Mireille. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, déclare ces bénédictions. Déclare ces bénédictions. Parce que ta parole l'avait dite peut-être sous la colère. Ta parole a fait sortir des paroles sous l'énervement. Mais voilà maintenant le moment que Dieu te donne pour libérer, libérer la parole de bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui as prononcé des paroles contre ta propre vie, je viens en tant que serviteur de l'Éternel prier pour dire au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, que les portes qui étaient fermées à cause des paroles prononcées, nous déclarons l'ouverture au nom de Jésus, l'ouverture totale, l'ouverture absolue dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je te déclare libre maintenant. Je te déclare libre maintenant. Je te déclare libre maintenant. Mambro sekala maketi labake. Gloire à l'Éternel. 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 Bien-aimé, commence aussi à prier. Commence à prier. Si tes mains ont touché des choses inappropriées, commence à prier que le sang de Jésus nettoie, désinfecte tes mains au nom de Jésus-Christ Nazareth. Prie avec moi. Brokate lebo shetarama kendebo rindebo kotolobo shetelebo keng yendalama kentelebo kete. Si tes oreilles ont écouté des choses inutiles, que le sang de Jésus détruise toutes ces mauvaises paroles. Rembrokate lebo shatarabake rindebo siterebe kanterebo yendalama kondolobo shetelebege yende moyenda mokamola moshenta mokenderebo yenderebeke. Au nom puissant de Jésus, 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 korondo bocheta randa bakete yenderebo. Si dans ta maison il y avait des choses étranges, que la puissance du sang de Jésus descende maintenant et brise. S'il y avait des portes ouvertes dans ta maison, que la puissance du sang de Jésus brise. Rembro yenda moke monde rinde bo konto bo chente rinde bo kante rende rinde bo konto rondo rinde bo chente renda kenda rendo bo chente rendo bo site rende rikende bo chente renda ba konto. Au nom de Jésus Christ Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Remembro yenda bachete rebege yenderebo kanderebo chete yekondolobo cheta rabage manderebo santerebege yenderebo kandaraba chete rebege yenderebo shinderebege yenderebo kanderebo satarabage. La gloire te soit rendue, la gloire te soit rendue, la gloire te soit rendue. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Rends grâce au Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour ta vie. Dis merci à Jésus pour les portes qui sont ouvertes maintenant pour toi, ta femme, ton mari, tes enfants. Dis merci. Élève ta voix. Lélébo. Kenderebo shanderebo shanderebo kende kolobo shekandala basete yekondolobo shitelebe kandelebo. Merci Éternel, mon Dieu de gloire. Merci Éternel des armées. Merci Éternel Dieu tout-puissant. Merci Éternel mon Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci Éternel mon Dieu pour les portes ouvertes. Merci Jésus parce que tu me donnes la victoire. Oh, membre,
Que la gloire te soit rendue éternelle. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce grand roi? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie vers ce grand roi? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel des armées? Est-ce que tu peux acclamer? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux donner ces cœurs-là? Est-ce que tu peux donner ces likes-là? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous célébrons Jésus. Nous célébrons Jésus. Nous célébrons Jésus. Nous célébrons Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous célébrons Jésus. 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 Alléluia. Merci, merci, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Nous bénissons son nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Oui, tu as le droit de dire merci, Jésus, Mama Bondo. Tu as le droit de dire amen. Tu as le droit d'acclamer, Laetitia. Tu as le droit de dire amen, ma soeur Lydie. Tu as le droit de dire amen, Papa Nkalo, Maman Janine. Oh, que Dieu vous bénisse. Tu as le droit de dire amen. Oh, Stéphie, oui, tu as le droit de dire amen. Tous ceux qui sont connectés là, oh oui, Bina, tu as le droit de dire amen. Oui, la sœur Anna, oui, Maman Mireille, même les gens qui sont en ligne avec moi, vous avez le droit de dire cela. Oui, tu as le droit de dire cela, Maman Justine. Oh, tu as le droit de dire cela, Maman Sylvie. Oh, Carole, Maman Vicky, Mamie, oui, vous avez le droit de dire amen. Parce que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Dieu a fait pour toi de Kayoka de grandes choses. Dieu a fait pour toi de grandes choses. Dieu a fait pour toi de grandes choses, Manuel. Dieu a fait pour toi de grandes choses, Laetitia. Dieu a fait de grandes choses pour toi, Maman La Grâce. Dieu a fait de grandes choses pour toi qui est connecté. Je sens, bien aimé, je sens quelque chose. Corinda Bakim. Il y a tellement la puissance de Dieu qui traverse mon corps. Et Dieu le fait aussi pareillement aussi pour toi. Dieu le fait aussi pareillement aussi pour toi. Oui, oui, Dieu le fait aussi. Oh, je suis obligé seulement d'arrêter, bien-aimé. Mais Dieu, je sens une grâce. Je sens la grâce de Dieu couler. Le Seigneur est en train de parler. Ne pleure plus maintenant, ne pleure plus. Ne promène plus tes regards inquiets. Est-ce que tu m'écoutes, sœur Hélène? Est-ce que tu m'écoutes, frère Patrick? Oh, Korebochette à la baguette. C'est fini le temps de pleurs maintenant, c'est fini. C'est fini le temps de pleurs maintenant. Il est à l'œuvre, il est à l'œuvre, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre, Clarisse, il est à l'œuvre. Korebochette à... Il a l'œuvre, Maman Mireille, il a l'œuvre. Kolabache terebege. Yenderebo koloboche terebe kanderebo. Kenderebo chantalababa keterebo shiterebege. Yenderebo kalama chandalaba kenderebo ke. Yenderebo cheterebeke. A toi la gloire. A toi la gloire. A toi la gloire. Koloboche te. A toi la gloire. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ta présence nous fait du bien éternel. Ta présence nous fait du bien éternel. Ta présence nous fait du bien. 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 Sa présence nous fait du bien. Ta présence me fait du bien, Seigneur, mon Dieu de gloire. Yahweh, je suis en train de prier pour quelqu'un. Que ta présence lui fasse encore du bien, s'il te plaît, Seigneur. Ta présence. Kolobo shiterebe kandalaba shiterebege. Yenderebobo kolobo shiterebebe labakente. Que la présence de Dieu. Que la présence de Dieu restaure. Que la présence de Dieu restaure.
Alléluia. 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 Alléluia, alléluia. 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 Derebo. 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 Chita grendebo. Canterebo. Derebo. Santerebo. Kenderebo shite ve kalaba shite ve ke Kenderebo shite Kondolobo shite ve yande Kenderebo shite Kenderebo shite ve boge Ta présence Kenderebo 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 shite la bage Kenderebo bobo shite la baba baba la bage Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que la gloire te soit rendue à toi seul. Merci éternel. Tu as vu mes larmes, Seigneur. Mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu es mon roi. Oh, me change, ton onction me change, tu es mon roi. J'étais perdu, alléluia. Au milieu du tempête, tu es, tu m'as donné. C'est qui c'est toi? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'étais. Oui, j'étais perdu. C'était fini. C'était fini. C'est là, il est venu pour ta vie. Le sang de Jésus est venu. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Pour toi. Alléluia. Il a ôté le péché. C'est Jésus, l'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. C'est Jésus par son sang. Que cette présence se retrouve aussi dans vos maisons. Que la présence de Dieu influence votre vie positivement. Que cette présence inonde vos cœurs. Toi qui te sentais vide, sois rempli maintenant. Sois rempli maintenant. Sois rempli maintenant. Sois rempli maintenant. Sois rempli maintenant.
Sois rempli maintenant de la machanta là-bas. Ta souffrance est finie. Oui, la souffrance est finie. Tes larmes vont sécher. Oui, tes larmes. Parce que ton roi est là. Ton roi est là. Ton péché est pardonné. Ton péché est pardonné. Parce qu'il est oublié. Parce que ton roi est là. Ton roi est là. Célèbre-le. Ton roi est là. Toi qui étais malade. Ton roi est là. Toi qui étais faible. Je suis fort. Je suis guéri. Je suis libéré. Et là, ton roi est là. J'aime, j'aime. Quand tu es là, quelle présence. J'aime, j'aime. Quand tu es là, c'est vraiment facile. Quand tu es là, je ressens la paix en moi. Quand tu es là, j'aime, j'aime. 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 Dans ce calme, Dieu des armées, je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur. Seigneur, il y avait des choses à dire, mais tu nous as précédés. Que cette présence reste dans les maisons de tout un chacun, Seigneur. Je pense particulièrement à une sœur, à un frère qui sentait en lui un vide. Que tu combles ce vide par ta présence. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, toi qui t'inquiétais, que Jéhovah Shalom t'accorde la paix. Accorde la paix dans ton couple, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Que Shalom, Jéhovah Shalom, s'élève, s'élève, s'élève. T'accorde la paix, t'accorde la tranquillité, t'accorde la sérénité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, moi, Samuel le Sapou, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et les saints disent, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers l'Éternel des armées? Est-ce que tu peux acclamer dans cette atmosphère de gloire? Est-ce que tu peux acclamer dans cette atmosphère de gloire? Est-ce que tu peux acclamer dans cette atmosphère de gloire? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux envoyer des likes? Est-ce que tu peux envoyer des likes? Est-ce que tu peux acclamer là où tu es chez toi à la maison? Nous acclamons l'Éternel des armées. Nous acclamons le Dieu de toute éternité, lui qui nous libère par son sang. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Sa présence est effective au milieu de nous. Gloire à Jésus. Tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer, tu peux pousser des cris de joie. Bien-aimé, le confinement ne t'empêche pas d'acclamer, ne t'empêche pas de crier, ne t'empêche pas de célébrer l'Éternel des armées. Sois loué, Éternel. Sois béni, notre roi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom à tout un chacun. Que la paix de l'Éternel vous localise dans vos maisons en ce dimanche de confinement. Mais confiné, mais le sang de Jésus parle encore à notre faveur. Soyez bénis. Je vous aime et je voudrais, bien-aimés, nous annoncer que nous commençons une série d'une semaine, jour après jour, de prières intenses et de la parole de Dieu. Donc nous allons commencer à partir de demain, le matin déjà, à partir de 5 heures, heure d'Angleterre, heure de Londres, 5 heures, 6 heures, heure de la Belgique, France, Allemagne, et moins 5 heures de la Guadeloupe et de la Martinique. Nous sommes bien invités à participer.
Après, tu vas aller sur notre page. Je vais mettre les numéros de connexion. Nous allons mettre le code. Et sens-toi à l'aise de te connecter. Nous serons là en prière à partir de 5 heures du matin. 6 heures chez vous en France, Belgique, Allemagne. 5 heures en Angleterre. Nous allons entrer en prière. Et mais le soir à 18 heures, nous continuons notre séminaire. Je peux l'appeler ainsi, séminaire sur la puissance du sang de Jésus. N'hésite pas, ma soeur, mon frère, de partager avec nous les témoignages de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Bien-aimé, nous bénissons grandement le Seigneur pour les gens qui envoient le message, même à partir de Ouagadougou, les gens qui envoient des messages à partir de l'Afrique du Sud, les gens qui envoient des messages à partir du Sénégal, les gens qui envoient des messages à partir de la Guadeloupe et de la Martinique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre soutien, votre support. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est un jour de grâce. Je vous aime, ma femme et moi. Nous vous aimons. Shalom. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Et bisous à tout le monde. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Et bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci. Quand tu es là. Shalom.